Castle of Morifisa, épisode 0. Let's go. D'accord, donc j'ai plusieurs classes. Donc j'ai moine, Onmyoji, samouraï n'est pas débloqué, et ninja non plus. On va prendre le moine. Abandonné par ses parents, il fut sauvé par des moines qui feront de lui un fervent bouddhiste. En harmonie avec la nature, il n'hésite pas à combattre les plus vils créatures et démons pour la terre et l'élévation de l'âme. Artefacts. Les artefacts trouvés durant votre périple sont exposés ici. Ces artefacts sont d'une aide précieuse dans votre aventure. Sélectionnez un héros ancestral. Uesugi Kenshin. Les cartes d'attaque coûtent 0 points d'action pour ce tour. Ujo Ujiyatsu octroie 20 points d'armure. Torianzo exécute les ennemis ayant 30 points de santé au moins. Prendre Atorienzo. Héros ancestraux. Les héros ancestraux avec lesquels vous êtes liés apparaîtront ici. Bouddha d'ébène, gagnez un point de talent à chaque fois que vous explorez une nouvelle zone. Battez vos ennemis en jouant vos cartes en main. Jouez une carte requiert des points d'action. Le coût d'une carte est visible dans le coin gauche supérieur. Si le coût d'une carte est X, tous vos points restants seront utilisés. Nombre de points maximum 10. Des cartes de défense vous donnent de l'armure. Les attaques de l'ennemi amenuisent d'abord votre armure et ne vous infligent des dégâts qu'après avoir détruit votre armure. L'armure dure un tour, disparaît au début du tour suivant. Durant votre tour, des icônes apparaissent au-dessus des ennemis. Ces icônes indiquent leur action à venir à leur prochain tour. Le jeu compte de nombreux ennemis différents. Alternez les tours entre vous et votre ennemi. D'action. Jouez une carte requiert des points d'action. Si le coût d'une carte est X, vos points d'action restants seront consommés. Ok. J'ai plus de points d'action là. Pièce, choisissez une de ces cartes. Gagnez 10 d'armure au début de votre prochain tour. Piochez une main entière de cartes. Gagnez 6 d'armure, perdez toute méditation à chaque perte. Gagnez 3 points d'armure actuelle 6. Gagnez 3 armures, celle-ci devient éthérée. Gagnez 3 armures, celle-ci devient éthérée.
gagner 3 armures, celle-ci devient éthérée. Les combats remportés vous rapportent des pièces, dépensez-les en cartes, points de talent ou en retirant des cartes au magasin. LB. D'accord, donc là je peux acheter des cartes ou des points de talent. Inflige des dégâts équivalents à méditation mantra passe au travers de l'armure. Continuer. Continuer. Arbre de talent. Les combats remportés octroient des points de talent utilisables pour débloquer de nouveaux talents. Ceci augmente votre capacité de combattant. Kerbé. Lorsque vous actualisez le magasin, une des nouvelles cartes sera toujours gratuite. Ça a l'air d'être fumé ça, non? Interrogation, c'est quoi ça? Le sol se dérobe sur votre pied. Vous sentez tomber dans un piège. Bardo diminue, retirer une carte au hasard. Prière intense, octroie une carte de malédiction. Bardo diminué. Vous jetez votre sac à dos à terre. Pour vous dégourdir un peu plus tard, vous réalisez qu'il vous manque quelque chose.
victoire. Gagne 12 d'armure et 2 de méditation. Épuisé. Pourquoi épuisé? Pour chaque carte de perturbation, le joueur gagne une carte d'attaque temporaire. Quand vous utilisez un pouvoir de rang ancestral, gagnez un point d'action. Les dégâts que vous causez correspondent exactement au nombre de points de santé restants à l'ennemi, vous gagnez 20 pièces supplémentaires. Ouvrir le coffre pour obtenir un artefact aléatoire poupée vaudou. Donner 50 pièces et retirer une carte. J'ai pas assez de pièces. Le taux d'épaisseur gagné des combats d'élite vous octroie un point de talent supplémentaire. Faire déglinguer là. Ta-da-da-da-da. Couvert d'une matière gluante. Bordel.
Allez, bim. C'est chaud. J'ai chaté sur la def en vrai. Carte est entre vos mains en fin de tour, vous prenez 5 de dégâts. Incroyable ce retournement de situation.
La Muertos. Ok, c'était Castle Moriza. Épisode